Dermafigène, famille du médicament dermocorticoïde. Dans quel cas le médicament est-il prescrit? Ce médicament contient un dermocorticoïde d'activité forte, bêta-métasone, et un antibiotique d'action locale, l'acide fusidique. Il associe ainsi les effets anti-inflammatoires et antiprurigineux de la bêta-métasone et l'action anti-infectieuse de l'acide fusidique. Il est utilisé pour traiter l'eczéma avec son infection. Mode d'emploi et posologie du médicament. Étaler la crème sur les lésions et la faire pénétrer par un léger massage. Pour traiter des grandes surfaces de peau, appliquer en touches espacées peut étaler jusqu'à complète absorption. Si le médecin le juge nécessaire, il peut prescrire une application sous pansement occlusive. Posologie usuelle. Deux applications par jour. Pour la quantité de crème à appliquer, suivre les indications du médecin. La durée de traitement ne doit pas dépasser 2 semaines, sauf avis médical contraire. Contre-indication du médicament. Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants. Infection virale de la peau, comme l'herpès ou la varicelle, et mycose. Acné rosacée, dermite périorale, rougeur autour de la bouche, enfant de moins d'un an. Fertilité, grossesse et allaitement. Pour la grossesse, l'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu. Seul votre médecin peut évaluer les risques éventuels de son utilisation dans votre cas. Pour l'allaitement, ce médicament peut être utilisé pendant l'allaitement, en évitant l'application sur les seins.